L'autre côté, si on m'arrange. Voilà. Ça, c'est bien vu. Smisser. Pour Chamac. En retrait vers Cherou. Smisser. Marange. Marange la talonnade pour Bruno Cherou. Cherou qui obtient un corner. Que Vladimir Smisser va tirer ou peut-être jouer à deux exactement avec Bruno Cherou. Smisser pour la tête. But. Fernando. C'est Fernando. Ou Enrique, je ne sais pas. On va voir sur le... Apparemment, c'est Fernando. Je crois qu'Enrique a l'air heureux aussi. Enrique a dû retoucher le ballon. Alors, on va voir le ralenti. La première tête est de Fernando. En tout cas, c'est un but brésilien. Oui. On revoit. Non, c'est Fernando. Oui, c'est Fernando. C'est Fernando. Et Enrique sourit parce qu'a priori, lui aussi avait envie de frapper de la tête. Je crois que c'est Fernando. Sorlin pour le pied droit, Monterrebieux pour le pied gauche. Alors, qui va tirer, le droitier ou le gaucher? Je pense que ça va être Monterrebieux. Avec une feinte de Sorlin, non, même pas. Monterrebieux qui frappe et Frédéric Roux qui détourne. Il détourne en corner. Qui détourne en corner, mais quelle extension, ouais. Il a été le chercher, ce ballon. Et là, ils sont trois Bretons autour de Denilson. C'est bien vu avec Gemali pour Smisser. Et la deuxième. But de Vladimir Smisser. C'est une action d'école. Le quatrième but de Vladimir Smisser. Bordeaux mène 2-0. Je pense que là, la messe est dite. Avec une action qui est partie, vous avez raison, une action, ouais, d'école qui est partie de Denilson, ou même on peut revenir avant. Non, avant de Fernando qui contre la reprise de, je crois, de Sorlin, qui poursuit son action, dédoublement avec Denilson, plus Gemali qui vient et qui met cette balle en retrait, un caviar pour Smisser. Et Gemali, nouvelle passe décisive pour David Gemali, c'est sa quatrième. Oui, il rejoint D'Archeville. Ricardo, l'équipe a été offensive dès le départ. Ah, en premier temps, c'était presque parfait. Je me souviens, ils ont une bonne action en contre, c'était tout. Je pense qu'on était bon au milieu de terrain, en attaque. On a réussi à maîtriser le milieu de terrain, à désorganiser leur défense. Le deuxième temps, c'était différent. Ils ont réorganisé leur équipe. Et par contre, on a eu une action en deuxième but. C'était une action aussi parfaite.